Ouais, les 73, la station que j'ai entendue là, de la part de Dandy 33, là, depuis la rocade de Libourne, en mobile, en push. Ah ben, il a fait juste une apparition, c'est tout, on dirait. Bon, ça avance, ça va, ça arrive à avancer correctement maintenant sur la rocade de Libourne. Tout à l'heure, là, sur la route, la Castillon-Libourne, putain, on roulait à 20 à l'heure, au secours. C'est ça, c'est exactement ça. Du coup, la station là, qui a fait un bref passage, j'ai pas eu le temps d'entendre qui c'était, quoi. Juste pour un STX, ok, d'accord, ouais, bah, comme c'est là, il vient juste de remonter sa station. Voilà, donc le temps d'apprivoiser le micro, de pas avoir peur de la boîte qui parle, hachis trois coups, parce que là, je l'ai remarqué quelques-uns. Bah, c'est normal, hein. Après, quand on est sur Internet, eh bien, bon, on est face à un écran, face au clavier. Là, on se remet à discuter à nouveau avec des gens. Hachis, c'est plus la même, le même ressenti, la même impression. C'est un autre monde qui apparaît. Et, ouais, faut apprivoiser, quoi. Ouais, voilà. Voilà, je suis en train d'arriver sur la bretelle de la voie rapide. La nationale, la 89, voilà. Ok, bon, c'est bon. Voilà, tout là, je suis entre la sortie 9 et la sortie 8. Ouais, bon, je suis pas inquiet. De toute façon, là, je pars pour la nuit. Je débauche à 7h demain matin. Après, demain soir, rebelote ailleurs. Là, je vais sur Blanquefort. Demain soir, je serai sur Artigues. Après, demain soir, je serai sur Abzac. trois sites différents, trois horaires différents. Quelle chance que tu as, toi, de voyager. Ah, ça a toujours été mon rêve, mais quand je me suis posé la question étant gamin, ben, tu vois, j'ai choisi la vie de couple. Mais bon, j'ai toujours la bougeotte. Hein. Même à 53 ans, j'ai toujours envie de bouger. C'est vrai que je me dis, j'ai peut-être raté, là, quelque chose. Bon, faut pas regretter. À la place, ben, je fais agent de sécurité, et puis bon, c'est pas... Il y a pire, hein. Il y a pire comme boulot. Hein. Hop là, je sais pas si j'ai une petite moustache là ou quoi, mais là, là d'un seul coup, je t'ai plus entendu. Ok, ah, mais disons que c'est vrai que je, à 18 ans par là, quand je me suis posé la question, moi ça aurait été plus pour faire de l'international. Et quand je discute avec les mille pattes aujourd'hui, paraît-il qu'il n'y en a plus beaucoup qui le font, ça. C'est le marché est pris par les pays de l'Est, ceci, cela, et ce qui paraît, c'est devenu moins évident. J'étais un petit peu perdu là pour le moment. Là, ouais, je suis dans un secteur apparemment où c'est pas terrible.
Je ne sais pas si tu connais la Nationale 89, là, le Bordeaux-Libourne, Libourne-Bordeaux. Là, j'arrive à la hauteur de la station Total. Je suis dans ces environs-là, quoi. Et là, apparemment, ça part des top de ton côté. Ouais, c'est moyen, là. Là, j'ai énormément de mal à te sortir. Vivement que je me rapproche un peu plus, là, que je puisse t'entendre comme il faut. Ah, putain, la vache. Ouais, tu me parlais de Doudou. T'as eu des nouvelles de lui quand ça fait un petit moment, là, que... Enfin, je dis un petit moment. C'est vrai que là, le week-end dernier, je l'ai vu en fréquence sur le QSO national du canal 27. Et puis, à cause d'un fouteur de merde, là, qui est sur Libourne, ça a été vite... vite fait, là, le QSO. Autrement, t'as eu des nouvelles, là, ces jours-ci, là, il va bien? Ok, ouais, il est excellent, lui, il est super. Hein. Puis moi, c'est vrai qu'en plus de ça, il fait pas mal de vidéos et tout, là, sur Facebook. On voit comment c'est, là, je veux dire, dans son camion, de ça, avec la station et tout, de ça, c'est bien sympa, quoi. C'est vrai que ça donne bien envie, quoi. Ouais, ben, si ça te dérange pas, là en ce moment je suis en train de faire une petite vidéo. Hein. Si ça te dérange, tu me le dis, hein, je coupe, je supprime. Hein. Ah non, il n'y a pas de souci, donne-y, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, hein, tu peux faire des vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Je suis en trou, hein. Putain, là tu passes bien. Là. Voilà, ok, là ça passe vraiment bien là ce coup-ci. Et j'arrive en haut de la côte avant de descendre dans le trou là du village, la poste. Deux de tous, putain la vache, ouais quand même. Ah là j'aurais peur, bah, les deux de tous. T'as pas un petit matcheur derrière qui te permettrait de compenser là le temps 2? J'ai le matcheur derrière, j'ai mis le matcheur, pas de souci là-dessus, au contraire. Ok, ouais bon c'est bon, j'ai réussi à t'avoir, là je suis en train de remonter là du village de la poste. Ok, autrement là sur ouais tu es davantage sur Facebook hein, c'est ça? Ok, sur quel groupe tu es là sur Facebook? Tu es, ça se trouve, tu es peut-être sur le mien, Hachi. Je suis parti le 14 de papa à Saint-Andreau. Ouais, enregistre. J'ai entendu la Roger Beat multi-bip là derrière, les 73 de la station. Ok, non, parce que là sur Facebook, j'ai aussi un groupe. C'est une extension là du forum. Le groupe s'appelle La Planète Sibi Francophone. Là, peut-être que t'as dû en entendre parler. Ouais, affirmatif. Mais moi, je suis sur le groupe de Tony, qui est au centre. Ok, de temps en temps, j'y mets quelques trucs, ouais, effectivement. Il y a une station là derrière, là, qui s'est signalée avec un Roger Beep, un multi-beep. En avant la station, après tout, c'est le canal 19. Putain, dommage, je suis passé dans une zone où j'ai entendu juste la fin là, de passage sur Bordeaux. Les 73, la station de la part de Dandy 33 sur la Nationale 89. Je suis pas loin d'arriver sur Artigues. Et là, j'arrive du côté de Saint-Émilion, question la bataille. Et je m'en vais au pro, là, et bien ce soir, ça sera du côté de Blanquefort. Ok, ben, y a quelqu'un d'autre, y a un autre web avec moi, là. Je vais faire un retour de micro là, qui est en mille pattes. Oui, 73,
station, moi je te copie tout petit, hein, je suis sûr de ton côté, hein. Allez. Ouais, il t'entend tout petit, je sais pas si tu l'as entendu, t'as peut-être du bruit de ton côté, là. Et il t'entend tout petit, et il est de passage, là, sur Bordeaux, là, apparemment, hein. Ok, il est du côté de Gradignan. D'accord. Ça fait plaisir de voir des stations qui prennent le micro pour une fois. Hachi. Parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir comme écouteur sur le 19? Voilà, là, là, là. Et comme je dis à chaque fois sur Internet, hein, si tout le monde reste en écoute, ça fait beaucoup moins de bavards. Mais je vois qu'aujourd'hui, eh bien, les bavards, ils sont là. Et tant mieux. Ah oui, c'est vrai, c'est plutôt ça qu'il faut dire, comme ça nous on continue notre QSO tranquille. Oh putain, week-end plein de surprises, ouais. Alors pour les news, puisque là tu m'as tendu la perche, donc à l'Assemblée Générale de l'RCI, suite à un vote dont je préfère taire les chiffres parce que ça risque de faire trop prétentieux. J'ai été mis justement là, à m'occuper là, de tout ce qui est communication radio et CB. Voilà, et donc le forum va être attaché là au site de l'RCI par la même occasion. C'est le temps que l'administrateur le fasse. Et ce qui fait que le forum de la planète CB francophone devient en même temps le forum officiel de l'ERCI. Et l'ERCI, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un regroupement d'associations à travers toute la France. Donc autrement dit, on passe à la vitesse supérieure. Putain la vache, je suis en plein dans les QRM. Au niveau, concrètement au niveau du forum, ben, ça ne changera pas grand chose, on va dire. Seulement que ben, je me retrouve avec des obligations en plus, mais bon, ça c'est pas grave ça. C'est quand la passion est là, de toute façon, on ne prend pas ça pour une contrainte, mais pour un plaisir. Alors voilà, j'arrive sortie 26 sur la rocade et tout est bouché, je suis content. Les 73, la station là que je viens d'entendre, qui a une voix très enrouée, voilà, de la part de Daddy 33. Je suis à la hauteur voilà, de la sortie 26, pas loin de la station totale, et on roule à quoi 20-30 à l'heure. Allez, on va être gentil, 30 à l'heure maxi. Oh, excusez-moi la station de Gratignan, je viens de répondre à un autre OM là, qui doit être en 1000 pattes, je pense, avec une voix très rouée là également. Bon, bah, c'était très court. Retour de micro sur. Ah zut, ça y est. La station que le premier que j'ai eu là, c'est depuis avec qui je suis en QSO là depuis la rocade de Libourne. J'ai bouffé quoi, non mais n'importe quoi là. Putain, cette mémoire de poisson rouge. Tu m'as dit que tu es du côté de Carbon Blanc, je sais plus tout à l'heure. Parce que je viens de passer la sortie Carbon Blanc, justement, à Lormont. Voilà, j'attrape la sortie 1 pour aller direction pour l'Aquitaine. Et là, putain, mais moi qui a du QRM aussi, là, sur le coin, j'ai eu du mal à te sortir. Oh la vache, cette montée de QRM.
Je repasserai bien le micro du côté de Talence, mais là, avec les QRM que j'ai là, ça va être coton. De toute façon, là, je vais bientôt arriver sur le pont d'Aquitaine. Hein. Donc là, ça va être feu de clos. J'ai tout le monde là qui va m'arriver à plus 70, plus 80, plus 100 de signal. Ah, chi ! J'ai l'air ce mec qui va faire deux fois le tour. Ça va être bon, ça. Ok, voilà, le QRM a baissé. Ouais, la station de Talence, quai de passage, retour de micro. Bon, je me suis trompé, c'est peut-être Gratignan. Hein. Ah, c'est bon. Ouais, voilà. Alors, grève, pensez au covoiturage. Putain, vu comment je gueule dans la voiture, dans les micros, putain, mais ça, c'est une sale manie que j'ai, quoi. Si j'avais des stations, ben, des gens avec moi dans le push, je te garantis que là, ça serait coton-tige, n'importe quoi, boule de caisse obligatoire, hachi. Oui, la station, on t'entend, il n'y a pas de problème. D'autant plus que là, j'arrive sur le pont d'Aquitaine. Alors voilà, j'arrive au premier portique, là, sur le pont d'Aquitaine. Je grimpe le pont d'Aquitaine. Ça marche, la station, qu'à la voie rouée, il n'y a pas de problème. Voilà, j'arrive au pont d'Aquitaine. Je te fais un retour de micro là de suite. Ça passe bien. Par contre, là, au niveau modulation, je sais pas, c'est... on dirait qu'il y a un souci, c'est complètement écrasé, je dirais, peut-être un poil assuré. Ouais, là, ça va bien. Ah là, c'est génial. Je sais pas qui a répondu, je sais plus, il y a du monde de partout, là. Ouais, c'est rare, c'est Thierry Trembrot, encore une fois. Ok, toi ça passe bien, c'est génial. La station qui a la voie rouée, retour sur toi. Mais moi je suis ici, sur la c'est mon complet. Ok, de mon côté, c'est le pont d'Aquitaine, et bien c'est QRO dans les deux sens, ça roule tranquille. Ah bah oui, je suis à 70, donc c'est bon. J'ai pas besoin de freiner, c'est tout QRO dans les deux sens. Voilà, puis en plus, vu que je fais une petite vidéo, j'ai une caméra qui est posée sur le tableau de bord. Donc sur Facebook, tu pourras voir la direction, la circulation en même temps que je module. Alors moi, je suis en push. Hein. Voilà, je suis simplement en push. Oh putain, dans le bas du pont d'Aquitaine, par contre, dans le sens de la montée, c'est pas évident. Il y a eu comme un couac. Oh oui, il y en a qui se sont rentrés dedans. Voilà ce que c'est quand on passe son temps au téléphone. Hachi. Ok, la station, voilà, je suis rendu en bas du pont d'Aquitaine. La station là qui a demandé tout à l'heure si on t'entendait, il n'y a pas de souci. Retour de micro à toi, voilà, j'arrive à la première sortie en bas du pont d'Aquitaine pour attraper la direction Blanquefort. Ok, vous avez été deux à prendre le micro en même temps, hachi trois coups. Ok, les 73 à toi et à plus tard. Tout à l'heure, je sais pas, puisque moi là, j'embauche là bientôt. Retour de micro sur la station qu'elle a voie enrouée. Ce coup-ci, on va peut-être y arriver, hachi. Alors, je suis au rond-point là, au rond-point du karting du centre routier. Bon, c'est bizarre. La station de Gradignan, t'es toujours là? Ok, il m'a semblé t'entendre, c'est très petit là de mon côté. Là je suis pas loin du parc des Expos. Ah voilà, ça remonte un petit peu. Voilà, j'arrive au feu là qui sont pas loin là du parc des Expositions.
putain, là, c'est devenu short, là, de mon côté. Là, je suis un petit peu calé entre les bâtiments qu'il y a de ce côté-là. Voilà, j'arrive pile au feu. Là, j'ai le parc d'Espo, là, droit devant moi. Ok, la station qu'a la voie enrouée, est-ce que tu es toujours là? Parce que pour le coup, j'ai toujours pas compris ton QRZ. Alors j'ai compris 33, mais je sais pas si c'est parce que tu as une voix très enrouée ou alors qu'il y a un souci du côté micro. Mais c'est vrai que j'ai compris 33, les 73 à toi de la part de Dandy 33, voilà, en push, du côté du parc des Espo, là, bord de lac. Alors j'ai entendu voie enrouée, c'est tout ce que j'ai compris là de mon côté, parce que c'est vrai que là je viens de redémarrer là des feux, donc c'est un petit peu compliqué avec les QRM et tout, les bâtiments et tout qu'il y a là dans les environs. Donc je sais pas, si t'as pas une voie enrouée, eh ben alors c'est côté module qu'il y a un petit souci alors. Alors le Roger Bip, le multi-bip, ça il n'y a pas de problème, il fonctionne bien. Donc là, on est sûr, c'est le poste de ce côté-là, il est au top. Alors je sais pas, c'est vrai que là, puis en plus en roulant, là j'arrive au niveau du stade, j'ai le vélodrome en face de moi, j'ai le parking couvert là, du parc des Espo avec les panneaux solaires et tout, là sur ma gauche. Donc c'est tout ça mélangé, c'est pas évident de mon côté. Hein. Bon, ça passe plus. Retour du côté de Gratignan pour voir si ça passe mieux là maintenant. Arrête-toi de rigoler un coup, là je viens de passer là devant une meute, la DYL, les nanas qui font bonjour à tout le monde, c'est marrant, c'est sympa, il est accueillant le secteur. Bon, on dirait que là, tout le monde est occupé de son côté. Eh bien, pour les écouteurs, les 73-51 à vous tous. Pour ceux qui étaient en QSO, qui sont occupés, qui ont peut-être une oreille là sur leur poste là derrière, les 73-51 à vous. Et ben, à la prochaine là-dessus, de la part de Nadi 33. Et pour ceux qui sont sur Internet, sur Facebook, tout ça, là, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne là, de votre côté, car là, j'ai fait une petite vidéo. Donc le temps que je m'occupe du montage là dans la nuit et puis ça sera mis sur internet. Voilà les 73-51 à vous et bonne soirée. Demain soir j'embauche à 23h donc pour à cette heure-ci ça sera pas possible. Là non, je serai encore en QR1, c'est-à-dire Sainte-Colombe, extrême est de la Gironde. Merci à tous, bye bye pour ces QSO. Allez, bonne soirée. Allez, ciao, ciao, Ah ben il a fallu que je dise ça pour que tout le monde reprenne le micro d'un coup. Ok, ben moi je suis partant pour rester, hein, y a pas de souci. Je suis pas encore rendu sur le QTH. Ok, ben on va continuer alors. Là mais je pensais que tout le monde était parti, qu'il n'y avait plus personne en fréquence, parce que bon je sais bien que vous, votre côté, vous êtes en plein boulot là pour certains. Moi j'y vais, donc je peux rester encore un peu, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis le long là du bois de Bordeaux. Là il faut surtout pas s'arrêter, ou alors si on s'arrête, il faut serrer les cuisses. Hachi. Je vais continuer à faire des choses difficiles à faire.
Ouais, là, mais je comprends ça, qu'il y ait beaucoup de QRM. Hein. C'est vrai que moi, de mon côté, c'est pas toujours évident. Hein. Bon, tous les filtres sont enclenchés et tout, donc ça me sauve un peu. Puis vu que c'est un poste récent, c'est un CRT 7009 là, que j'ai, donc il y a un filtre supplémentaire là, qui s'appelle HIQT. Alors celui-là, putain, il est génial. Hein. Il marche vraiment bien, ce filtre, mais bon, il arrive à un moment donné où ça arrive à passer par-dessus. Hein. Eh ouais, non mais je sais bien. Alors d'un côté, t'as les stations qui boudent la M. Putain, je suis en train de voir ça, la caméra qui est en train de secouer comme un prunier. D'un côté, il y a les stations qui boudent la M, qui boudent les 40 canaux pour rester calés en BLU. C'est du n'importe quoi parce que tout à l'heure j'ai écouté, la propague n'était pas là. Donc je n'ai pas l'intérêt de rester comme ça là-haut. Surtout que si c'est pour faire des QSO de, je sais pas, 10-20 km et être en BLU, c'est sans intérêt, quoi. C'est autant redescendre sur les 40 canaux en AM. Voilà, tout à fait. Hein. Enfin bon, ça, c'est mon opinion, chacun fait ce qu'il veut. Hachi. Et puis de l'autre côté, eh bien, y a beaucoup d'écouteurs. À ça, oui, il y a des oreilles. Mais c'est des oreilles qui parlent pas, hélas. Ah oui, c'est vrai, tiens, je l'ai pas remis. Ça fait un bout de temps, ouais, que je l'ai pas remis, t'as raison. Voilà, là, normalement, voilà, j'ai entendu quelqu'un d'autre parler aussi, là, sur le canal. Voilà, là, normalement, il y est. Voilà, ouais, je viens d'entendre celui-là que j'aimais pas trop. Voilà, normalement, celui-là devrait être mieux. Voilà, putain, là, ça passe petit. Hein. Putain, là, j'arrive à la hauteur de Ford. Voilà, Ford de Blanquefort. Là, tu dois voir là où je suis à peu près. Voilà, et c'est vrai que là, c'est tendu de ce côté-là là, pour que ça passe. Hein. Je suis un peu loin aussi. Là. Si je passais bien, je vais déchanger mon antenne. Putain, oui, Santiago 5 là sur Fort de Blanquefort. Et côté radio, là c'est une radio 5. Je suis le long là en face de, en train de longer Ford et les pièces d'eau là qui est à côté. Je suis en bas de la côte de Corac. Ah oui, quand même, t'es à l'autre bout là-bas. Putain, oui. Ça, si j'ai bien vu, j'ai pas mes lunettes sur le nez quoi. Si j'ai bien vu, ouais, c'est Santiago 5, et pour la radio, bonne radio de 5. Bon, alors c'est tout bon, alors si ça va, c'est pécable, donc voilà, c'est pécable. Bon, mais salut, tout bon, alors, mais je te dis la bonne soirée à tout le monde, et puis à la prochaine, c'est même peut-être sur le retour de l'Aïe. Ok, je sais pas, y'a pas de problème, j'ai en plus, là, il faut que je passe QRT, les 73 à tous, bye bye. Are you ready?
14 Delta Romeo 33, la planète Sibi francophone.